vanavond of bijna goede morgen. Het ergste is niet als op dit uur nog een mens van mijn leeftijd het podium opjagen. Het ergste is dat er bij degenen die dat gedaan hebben, een paar zijn die nog ouder zijn dan ik. Puisqu'il paraît que tout le monde est parfaitement en trilingue, ici j'essaierai de parler dans les deux langues que je connais plus ou moins, le néerlandais et le français. Et en fait, ce qu'on m'a demandé, c'est d'évoquer un thème par lequel on aurait pu commencer la journée, c'est-à-dire l'idée que tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, ça n'est pas tombé du ciel. Il y a une histoire qui précède et qui ne détermine pas ce qui se passe aujourd'hui, mais qui rend possible ce qui se passe aujourd'hui. Als we dus kijken naar de geschiedenis van Brussel, dan is dat een stad die laat ontstaan is, een heel bescheiden begin gehad heeft en die pas vanaf de 13e eeuw een politieke rol is beginnen spelen. Er is toen een erfopvolkingsconflict geweest in Brabant en een hertogin weduwe, een zeer sterke persoonlijkheid, heeft midden in dat conflict beslissing genomen om haar kinderen en haar meubelen in te pakken en te verhuizen van Leuven naar Brussel. Dat is iets waar Louis Tobak nog altijd kwaad op is vandaag. Maar eens dat het zover was, dan is er een groot verhaal begonnen. Want na de hertogen van Brabant zijn de hertogen van Bourgondië gekomen en dan de Habsburgers met onder andere keizer Karel. En er zit hier dus een politieke elite. Brussel heeft commercieel nooit het belang gehad van Brugge of later Antwerpen. Brussel heeft industrieel nooit het belang gehad van Gent of Luik. Maar Brussel heeft geprofiteerd van het feit dat de inspanningen om de vorst binnen de muren te krijgen tot resultaten geleid hebben, om de absolute nummer 1 te worden in de ontwikkeling van de luxe industrie. In de 14e eeuw is dat luxe weefsels. De madammen aan het hof van de paus van Avignon en de madammen aan het hof van de koning van Frankrijk dragen Brussels laken. Vanaf de 15e eeuw zijn dat de mooiste wandtapijten, 17e eeuw krantwerk en tot in de 18e eeuw de beste karossen van Europa. Het is eigenlijk die interactie tussen het politieke verhaal van de stad en de economische successen die daaraan gekoppeld worden, dat typisch is voor de Brusselse geschiedenis. Nu, die geschiedenis die zit stampvol met voorbeelden daarvan. Ik heb er eentje uitgehaald. Dat is eigenlijk de periode midden 16e eeuw, die toch een heel belangrijk moment is in de geschiedenis van de stad. Wat u daar ziet, dat is een groot fragment van een panoramische kaart uit het begin van de tweede helft van de 16e eeuw. Keizer Karel is al dood, maar nog niet helemaal koud. En dan gaan we eens een paar sites bekijken. Donc vous voyez le haut de la ville, les collines qui dominent la vallée de la Seine. Et au milieu, c'est quand même... Ah si, ça marche quand même. Vous voyez ça? Quand même. Het Hof van den Keizer, la cour impériale, c'est-à-dire aujourd'hui la place royale. Et c'est là qu'habite le client principal de l'industrie de luxe bruxelloise, notamment le client principal du produit de luxe le plus cher de cette époque en Europe, les tapisseries. C'est la cour qui a commandé à un moment donné une tenture, donc une collection de 12 tapis qui montre cette cour, quittant le palais de Bruxelles sur un premier tapis, et puis chassant pendant 10 mois en forêt de Zwijn, et puis revenant le 12e mois au palais de Bruxelles. C'est aujourd'hui une des pièces maîtresses de la collection du Louvre. Eh bien, si on essaye de comprendre la dimension internationale de ce qui se passe là-bas, au moment où les tapissiers bruxellois fabriquent cette tenture pour les Habsbourg, au même moment, ils s'organisent avec des interlocuteurs allemands et italiens pour solliciter l'intérêt de Soliman le Grand,
et de lui demander s'il n'est pas intéressé à acheter aussi une tenture pareille. Donc ça va beaucoup plus loin que le simple fait qu'on a ici une cour dont l'importance dépasse le local. C'est vraiment l'ensemble du monde connu par les Européens à l'époque qui est couvert par ses activités, pas seulement dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine économique. Cette histoire de tapisserie, j'ai la plus grande connerie qu'on peut raconter là-dessus, dans une lecture nationaliste qui cherche l'identité et la différence avec le monde extérieur et qui ne cherche pas la dynamique d'une ville qui est ouverte sur l'extérieur et qui est en interaction avec l'extérieur, la plus grande connerie, c'est de dire que toutes ces superbes tapisseries se trouvent aujourd'hui dans les grands musées du monde parce que tous nos occupants étrangers ont volé ça chez nous. Alors, c'est une chose. Parce que dans toute cette histoire, les seuls qui ont volé, c'est les Français à la Révolution et c'est nos voisins de l'Est quand ils ont fait deux visites qu'on n'a pas demandées, quand ils sont restés trop nombreux et trop longtemps, deux fois pendant quelques années au XXe siècle. Et tous les autres, ils ont commandé leur tapis, ils ont payé leur facture, ils ont amené leur tapis chez eux. Je donne un autre exemple de ça. Donc, dans le même quartier de la cour, donc là vous avez le palais impérial, et un peu plus bas, sur ce qui est maintenant le Mont des Arts, à l'emplacement de ce qui est actuellement l'Albertine, vous avez le palais des Nassau, la famille d'Orange-Nassau. Et avant que le grand Guillaume de Taciturne arrive là-bas, c'est une autre branche de la famille qui y vit. Eh bien, un de ces Nassau est marié avec une Mencia Mendoza, une noble espagnole. Et quand il meurt, la veuve, ben, elle emballe ses meubles et elle retourne en Espagne. Et en Espagne, elle vend une partie de ses tableaux à Philippe II, roi d'Espagne. Si aujourd'hui, dans le Prado, vous avez une des collections les plus riches au monde d'œuvres de Jeroen Bosch, ça n'est pas du tout parce que les occupants espagnols nous ont spoliés, mais c'est tout simplement parce qu'une cliente de l'industrie de luxe bruxelloise a vendu ses tapis quand elle est rentrée chez elle. Et donc, c'est un peu ça le problème qui se pose. Comment est-ce qu'on lit cette histoire et comment est-ce qu'on essaie de l'apprécier? Nous réalisons trop peu cela. En daar is toch wel de moeite om even te bekijken hoe dat dan vooral aan de Vlaamse kant opgevangen wordt, dit verhaal. Het standaardwerk over de wandtapijten in onze streken, dat is geschreven door Del Marcel en de titel is De Vlaamse wandtapijten. Als je een boek leest en je kijkt naar de reproducties en naar de ondertitels, dan gaat dat over de Brusselse wandtapijten en een beetje ook nog over de andere. Er is een voorbeeld in de Wawelburg, de Poolse Koningsburg in Krakau, hangt een collectie van tegen de 200 wandtapijten. Daarover is een grote tentoonstelling in Gent geweest. De Vlaamse wandtapijten van de Wawelburg in Krakau. Ik kan u wel vertellen wie in welk jaar, in welke straat in Brussel die tapijten doen weven heeft. En dat verhaal over de buitenwereld die vijandig is tegenover ons, we gaan niet lachen. Als daar nu in Krakau bijna 200 tapijten hangen op de maat van de zalen van de burcht, dan is dat niet omdat de Polen eerst de tapijten komen stelen zijn, daarna in Krakau een burcht gebouwd hebben op de maat van de tapijten, maar dan is dat wel omdat ze eerst de tapijten besteld hebben en betaald hebben en ze dan gebracht hebben naar de burcht die er voordien al stond. En dat is natuurlijk een beetje het probleem met geschiedenis, dat je moet weten wat je er wenst mee aan te vangen. Daar is nog een ander voorbeeld, ik denk dat het eigenlijk nog veel sterker is. Hier wat lager op de helling, hier. Ici vous avez maintenant la galerie Ravenstein, et ici vous avez maintenant la gare centrale qui évidemment n'est pas d'époque. Ici vous avez un grand palais, qui est le palais de Granville. Granville, c'est le premier ministre qui représente le roi d'Espagne dans la période des guerres de religion, donc à peu près dans la période qui correspond à la confection de ce plan panoramique.
Dans une aile du palais de Grenfell, travaille Jonink. Jonink, c'est le frère du bourgmestre d'Anvers, qui est un sculpteur qui fait des sculptures en style renaissant turc. Et puis, la rue devant, ici, c'est écrit d'ailleurs, ça s'appelle Kantersteen. Vous allez plus loin, par là, ici, c'est maintenant le boulevard de l'Empereur, à l'époque ça n'existait pas. Et là, vous avez l'église Notre-Dame de la Chapelle, et puis vous êtes là, dans, tout à fait à droite, dans la rue Haute. Et dans la rue Haute a habité Pierre Bruegel, l'ancien, donc le fondateur de la dynastie de peintres. Le chanteur anversois, Wallace van de Velde, a fait une superbe chanson sur Bruegel qui était dans son grenier, dans le quartier populaire des Marolles, et qui chantait le sort et qui dessinait le sort des petites gens. Un gars geloofd. De Marolles zijn een volkswijk geworden in de 19e eeuw, misschien een aanloop al in de 18e eeuw. De Hoogstraat is een van de chicste straten van Brussel. En wie dat daarin woont, dat zijn geen sukkelaars en dat zijn geen verwaarloosde sociale woningen. Achter het huis van Bruegel, daar, zijn er zo straatjes die de heuvel opgaan. En die komen net aan de voet van de tuin van de grootste paleizen van Brussel. En dan kan je eigenlijk een soort driehoek maken. Bruegel, de grote schilder, zijn goede vriend Jongeling, de broer van een Antwerpse burgemeester. En dat is de basis van de driehoek. En daarbovenop op de top zitten de grootste adellijke paleizen van Brussel. C'est un aspect qu'on connaît trop peu, mais Bruegel, aujourd'hui, a une quarantaine de tableaux qu'on lui attribue. Deux tiers de ces tableaux-là ont été faits dans la dernière période de sa vie, quand il était à Bruxelles. Et c'est de là qu'on peut peut-être mieux saisir l'importance de Bruegel. Une certaine Flandre qui n'aime pas son histoire urbaine et qui n'aime pas une réalité qui était déjà très moderne il y a 5 siècles, a essayé de faire de Bruegel le peintre des paysans. C'est surtout parce que cette Flandre-là aime bien faire les paysans elle-même. En réalité, les copains qui sont là et qui travaillent pour ceux qui habitent au-dessus inaugurent une nouvelle culture qui est portée par les élites urbaines, par les bourgeoisies, et inaugurent probablement une période dans l'histoire de l'Europe dont on dira, appelez-nous, qu'elle a duré jusqu'en mai 1968. Et donc voilà, on en fait ce qu'on veut. Ou bien on continue à raconter des bêtises ringardes sur le côté passéiste de notre passé, ou bien on accepte que nous étions la région la plus urbanisée d'Europe après l'Italie du Nord, et que la ville de Bruxelles a joué dans ce réseau de villes, ici dans les anciens pays bourguignons, un rôle tout à fait intéressant. Je voudrais terminer en faisant une comparaison d'ailleurs avec les autres villes. Dans cette période, Moyen-Âge, transition vers les temps nouveaux, début des temps nouveaux, deux villes ici dans le nord de l'Europe ont acquis un statut comparable à celui des républiques urbaines italiennes. C'était d'abord Gand et puis plus tard Anvers. Le pouvoir avait peur de ces villes. Et Bruxelles, qui est une ville quasi aussi grande, a investi tout ce qu'elle pouvait pour convaincre le prince de venir ici plutôt qu'ailleurs. Eh bien, les Gantois et les Anversois, quand ils essayent d'écrire leur histoire en niant l'existence et l'importance de Bruxelles, ils font de l'automutilation historique. Et ce n'est pas à nous de nous moquer des autres, mais c'est peut-être à certains autres d'arrêter de se moquer de nous. Et quand moi je vois ce qui a été fabriqué ici, qui fait partie des pièces d'œuvre maîtresses des plus grands musées du monde, ben je suis fier de cette ville et de ce qu'elle a fait dans son histoire. Et donc ma conclusion, c'est « Leve Bruxelles, vive Bruxelles !»